Et moi, disons tout bonsoir, bienvenue sur Palmi Sakma pour la CAI. Et je dis à nous rencontrer dans la section Tikoze sous immigration. Et je dis à nous t'avoir parlé de qui gens nous capables de remonter, ça veut dire que nous capables de retirer ça nous relais et résidence conditionnelle, condition sous résidence. Ça veut dire. Et bien souvent, résidence qu'on recevoir n'est pas une résidence permanente. Il y a une résidence permanente. Ok, moi, expliquer tête li. Résidence net aller. En fait, généralement, il dit li permanent, il mettait 10 ans là-dedans. C'est juste pour checker où est-ce qu'on style là toujours, parce qu'il faut faire finger pour avoir 10 ans pour le réunion. Ok, donc c'est résidence permanente. Et maintenant, gagner à côté de lui, il y a une résidence qui nous est les résidences conditionnelles, résidence sous condition. Dans qui cas il y a un monde, résidence sous condition. Généralement, lorsque vous mariez avec mari ou bien madame, mais nous pouvons gagner 2 ans depuis le mariage. OK? Un pour exemple simple. Et mon nom en 2018, en date où je suis marié là, et puis après 3 mois, et puis il faut l'application. Donc, je constate que, ou même avec madame, pourquoi il y a 2 ans de pour marier. OK? Donc, sous base ça, il dit peut-être que c'est pas un bon mariage. Il dit peut-être. En fait, il n'y a pas vraiment quoi dans le mariage ça. Parce que nous pourquoi il y a 2 ans ensemble. Sous base ça, ou faire application toute bagaille ou normalement, mais résidence si vous prenez le bail conjoint, là, mari ou bien madame, c'est une résidence conditionnelle. Donc, mettez ça en tête, chaque fois que vous faites une application pour vous, mais vous n'avez pas couru 2 années pour marier avec elle, vous n'avez pas une résidence permanente. Il y a une résidence conditionnelle qui est valable pour 2 ans. Okay? C'est après 2 ans, vous pouvez gagner une autre application que vous pouvez full, qui c'est I751. C'est application ça, cap remove, je veux dire, cap retirer condition, cap fait que vous n'y là même, depuis pour venir gagner ça, une résidence permanente. Okay? Et l'autre cas encore côté où vous gagnez une résidence conditionnelle, c'est des cas sanitaires, les gens qui viennent dans le pays sous base visa fiancé. Fiancé, ça veut dire que nous connaissons des US citizens qui fait choix ça. Ils fait une application visa fiancé pour les gens. Les gens viennent ici et puis avant 90 jours, les gens sont mariés avec eux dans les mêmes conditions. Donc, eh bien, résidence qui est au bail, les gens sont tous dans le cas ça. C'est une résidence conditionnelle qui pour 2 ans, ok? Maintenant, c'est après 2 ans, vous avez gagné pour remplir une autre application pour être capable de retirer condition sous résidence, ça pour être capable de venir permanent. En fait, il y a un pile monde qui justement pensait que, eh bien, en fait, faut faire très attention lorsque vous avez une résidence conditionnelle dans la maison. Et si pour raison pour l'autre relation avec moun ça mal passé et que c'est faute pas, ok? C'est faute pas, eh bien, automatiquement ça va le passer. Ou pas capable de retirer compte sur résidence, automatiquement, yo pral voye notice barou, yap meto sous déportation. C'est comme ça pour comprendre. N'a pas répété, pour tout le monde qui a une résidence conditionnelle, si relation divine pas marché, c'est faute pas, on bien dit, c'est faute ou relation pas marché. OK? Maintenant, eh bien, ça cap passé ou pas bien papier dans le pays. Maintenant, bah là, il y a 2 aspects. Tout. Parce qu'il y a des gens qui mal comprennent, comme quoi, qui pensent que, oh, bon, résidence, nous quand des gens parler, son résidence conditionnelle, oui, eh bien, comme quoi, au tavle, utiliser, comme quoi, au café, la bille. Non, dans le pays, il y a la loi. En fait, si ce n'est pas faute, ou qu'on ne pouvait pas A plus B, soit moun sa maltraité ou, okay, ou autre, eh bien, ou a style ka jen résidence. Moun n'a pas qu'à faire A, B, le fait que, en fait, nous parlons de hypothèse, un moun qui marie avant, le fait que le connaît que son résidence conditionnelle, l'établit pour toute bagaille,
et qui comme comme boutan boue yo sous base que c'est yon résidence conditionnelle. Non, si c'est fort moun nan relation, moun nan fait yon abus, ok, li abuse ou li font bay quelconque, mais il faut qu'on explique, il faut te cap ou cap prouver le tout. Eh bien, à ce moment de la durée, et ou capable justement remplir formon pour contour. On va juste expliquer que eh bien maintenant il y a besoin de documents pour prouver son dire. Ok, c'est ça, c'est qu'on va comprendre. Ok, donc il y a pas possibilité ça parce que son pays qui n'est pas d'accord pour le monde, le fait que mon a bon résidence, l'icône est que son résidence conditionnelle, et c'est vrai, son résidence conditionnelle, et que le cas font n'importe bagaille si bagaille ou pas marché. C'est-à-dire que vous pas un esclave. Si bagaille ou pas marché, que mon a abusé ou capable de décider de séparer, et que ou style gain possibilité pour que ou remove condition en part, ou même laisse alors pour le fil forme là, ou pour le fil forme ça pour contour. Maintenant, on a besoin de documents pour prouver son dire. Ok? Maintenant, nous dit bien, après 2 ans, on dit 3 mois avant date là, parce que y a bon résidence pour 2 ans, y a toujours conseillé 3 mois avant résidence, en fait, y a une date d'expiration normale, 90 jours avant date là, y a conseillé pour remplir application qui permet que ou retirer condition, en fait, qui pourrait permettre que vous retirez condition sur résidence, ou bon l'autre résidence, ok? Donc, 3 mois d'avance, dégage pour faire ça. Et maintenant, nous dit généralement, nous dit ou éligible pour application ça, si ou toujours marié, en fait, yo bien dit, généralement capable de des exceptions, si que ou toujours été marié avec moun sa, ok? Maintenant, la dernière, alors après l'application, on vous copie, résidence qui dans mon langue, on fait back. Et puis, ou bien doit avoir d'autres copies, en fait, que ou toujours ensemble avec mon nom, tant que copies qui montrent que nous toujours ensemble et autres. C'est un deux choses. Il y a des gens qui ne comptent pas avoir le style à plat, mais pour avoir un bon document, il doit avoir des. Tant que si nous avons une adresse, il doit que nous avons la même adresse. Si nous avons un carré, vous comprenez, il faut que nous avons un là, ou là que nous avons du même côté, ou avoir autant de documents possibles qui montrent que nous toujours ensemble. Mais il faut nous dire qu'on a des cas côté que mon ami juste voulait copier résidence et autres, mon ancien, et puis suivant cas au cas. Mais il nous a conseillé que vous voyez autant de documents possibles qui montrent que nous avons la même adresse et autres. C'est une des choses qui a montré que nous ensemble. OK? Il a parlé de l'autre cas, c'est des cas particuliers, côté que, par exemple, si mon ami t'a mouru, OK, c'est pas un problème. C'est logique, si mon ami mouru, c'est pas photo. Ok, il a permettre que le style remplit condition. Hein? Et donc, mon l'autre bagarre encore, faut nous dire ça. Ça veut dire que ça, il a permettre ou full application ça tout, si il y a un divorce. As long as qu'on est capable de prouver que, justement, mariage sorti fait, c'est ton mariage en good faith, ça veut dire son mariage de bonne foi, c'est pas truc qu'on tape chercher truc, mais pour des raisons palpables qui montrent que il y a des actions que mon a fait qui pas normal et que arrive il y a un divorce, ok, il y a besoin de ça, ok, mais en fait c'est à dire que ça li ka arrive que un bien ou fin divorcé en monde et que ou style ka folie, mais attention, me dit faut capable montrer que il pas demander plus documents pour preuve, et normalement ça très tellement il y a bien pour faire interview avant pour montrer par A plus B et que son mariage a été fait en de très bonne foi. Mais pas A plus B, mais ça passé autre qui fait que bagayo mal passé. Ok? Donc, on dit que l'état pi bon pour que nous t'a toujours été mariés. Ok? C'est ça le défaut qu'on a. L'état pi bon toutes les fois qu'on a quimbé. Laisse à bagayo fait. Pas bien pile question, tout examen et autres, pas bien aucun risque. Ok? Mais, nous connaissons des cas. En fait, nous connaissons ça, nous les vivants ensemble, n'est pas toujours possible. Des fois, vivre ensemble avec un monde, c'est un coup l'enfer. Et des fois, vivre ensemble avec un monde, il faut nous venir à un point côté que nous sommes capables de dire, c'est pour ça que tu ne peux pas vivre, tu as même le tuer et tout. Donc, si vous n'êtes pas capable de tout mourir, ce n'est pas pour être au papier pour demander au pouvoir mourir. Donc, si c'est divorce là pour faire, et divorce là fait, maintenant, on pourra le montrer par A plus B, effectivement, que où tu es entré dans le mariage là, de très bonne foi, mais ça passe, autre.
qui fait que vous avez un divorce. Okay? Il y a une bonne possibilité ça. D'accord? Mais toutes les fois que vous êtes capable, conseil que nous avons, c'est que vous restez avec moi pour 2 ans pour que justement vous allez retirer condition pour capable gagner une résidence permanente. Parce que vous venez une résidence permanente ou pas gagner problème. OK? Maintenant, ça n'a pas dit à tout. Faut comprendre. Il y a des gens qui pensent que c'est les gens qui entrent ici. On dit, même les gens qui Haïti, tout. Si mon Haïti ou le mari avec, ou pour qu'on gagne 2 ans, ou font une application pour lui. Comprenez bien, oui? Ou pour qu'on gagne 2 ans mari avec, les mon ap vini, ou pas bali permanent, y ap still bali 2 ans. C'est comme ça pour nous comprendre. Toutes les fois que le mariage là, pour qu'on gagne 2 ans, résidence que mon sa pour se voir, c'est toujours une résidence conditionnelle. C'est comme ça pour mettre maintenant. Okay? Mais de pour quand on gagne, ou quand on dépasse 2 ans, y ap bali mon nan, yon résidence permanent. Okay? De pour qu'on gagne résidence permanent, mais mon sa pa ka bon problème, ok? Il y a des gens qui ont parlé de si mon saisi résidence. Mon nan saisi résidence. Ou appliquer pour remplacer parce que vous avez une résidence. Il y a des gens qui ont chiré, qui ont perdu. Okay? Parce que vous avez une résidence. Mon nan une résidence saisi ou font application pour yon bon l'autre. Bien qu'elle a pris un petit temps pour yon bon l'autre. Mais des fois, vous avez une résidence permanente ou indépendant, mon sa a pas qu'à justement pour une base de relation là, de faire quoi avec ou pas avec. Moun sa justement parce que résidence permanente li pa ka di bon ba avou encore on va le faire au point résidence normalement parce que c'est coup des pour moun nan ka permanent ou pa ka faire là encore pa ka nan immigration vous dit bon moun nan pa très même vrai sans encore OK c'est comme pour nous comprendre OK et donc maintenant il y a expliqué qui gens que remarquez bien nous actuellement là, au niveau de site USCIS là côté qu'il a parlé de conditions justement qui gens pour retirer condition sous une résidence conditionnelle, résidence qui est au bas de 10 ans. Mais il avait expliqué qui gens pour faire application, qui logique, et si justement, ou toujours avec madame, ou a bon parti côté que pour mon spouse la signer, bon parti pour signer tout, bon parti qui a bien information. Généralement, nous t'as souhaité que c'est cas ça, beaucoup plus facile pour vous de pour toujours à mon nom, bah, il y a un process plus rapide, il y a moins de questions, moins de trouble. Mais nous pas qu'à empêcher ces relations mon amour une relation mon amour ça qu'à arriver que bagaille pas marché ok pour nous comprendre dans cas ça nous voulons toujours une option pour joindre une résidence mais côté que vous avez besoin plus de questions vous avez besoin prouver effectivement que c'est pour mariage bluff voilà c'est ça ok c'est ça que vous avez besoin prouver et par exemple on casse on a dit que on m'a dit à mon nom, fait discussion, mais les méthodes, pour discussion, les méthodes, on a qu'à là. Mais ça tapis bon, les mon nom, méthodes, on a qu'à là. Le tapis bon, l'avant sorti ou mandant police report, dans cas ça, un bon exemple, c'est oui. Preuve que, effectivement, que c'est mon nom qui méthode, s'attendait à l'appel. Parce que mon nom méthode, on a bon police report qui dit mon nom méthode, on a qu'à lui. Donc, là, ça, et dans cas ça, ou bien doit faire l'application, on n'a pas besoin de signer. Les autres policiers peuvent la preuve que c'est mon méthode, ok? Un bien à ce moment de la durée, ou pas même besoin d'un avantage dans ça, non, quand on a besoin de bail là, c'est que ou pas même besoin d'un 2 ans pour aller dans une condition de gagner. On est capable tout de suite après, et ça, on n'a pas besoin d'un 90 jours, non? En fait, comment est-ce qu'on dit, en cas que, on a dit que des cas de divorce, des cas de relation abusive, côté mon affaire des célibats abusifs, bah, ou pas marché, autre, as long as vous êtes capable d'expliquer, ou pas besoin fort autant de 2 ans pour aller mon condition. OK? Ou bien doit faire application, maintenant, on va des documents, et des fois, ça va venir, on des interviews, tout, et autant. C'est comme ça, lié. D'accord? Et, il a bien dit ça. If you no longer marry your spouse, par exemple, si ou pas actuellement, va avec Marie ou bien madame, ou bien tout, yo parle de moun ki yo te bat, ki yo abuse, ok? Maintenant, yo di que ou gen doa, oui, ça veut dire ou pas besoin fort pour faire joint filing. Parce que dans la forme, on compte pour qui gen place pour spouse, gen place pour ou. Donc, là, ça, forme, non, gen doa, ou gen doa mette juste information pour là, ok? Et donc, ou capable, agent ou dia là, a fait application pour capable retirer condition sur la résidence là, ok? Et at any time, ça est important. Oui, ça dit at any time after you become conditional residence. Oui, dans le cas ça, il dit que vous êtes capable de faire à n'importe où. Vous comprenez? Et
before a in such case you may apply to remove the condition you're permanent resident at any time after you become a conditional residence. Ça veut dire, ça n'a pas dit pour moun, c'est ça qui ne peut pas sauter, mais ça peut arriver pour moun que relation ou pas marché et que c'est pas faute yo, yo gagne des évidences qui ka montre que c'est pas faute yo. Donc moun sa yo, yo pas besoin d'attendre juste 2 ans pour yo faire application pour remove condition. OK? Et ça n'a pas dit. OK? Et donc c'est qu'on a bon fait, vous comprenez. Mais donc on l'autre cas même côté que même lorsque et même lorsque c'est ta faute, ok, mais si vous avez montré que en fait, c'est beaucoup plus difficile que si vous quittez USA ou avez un extrême hardship, ça y a une dernière limite là, hein? Bien entendu, extrême hardship là, c'est pas un bagage qui est facile pour prouver, pour montrer que c'est quand tu vas montrer effectivement un bien ou capable en danger de mort, vie ou menacée, autre pour t'acquitter le pays. Ça n'a pas parlé que si ou t'as quitté ton monde et c'est ta faute, bon dernier tentative, si ou t'es capable de montrer par gain un extrême hardship, si ou t'as quitté le pays pour tourner back dans le pays, ok, qui est un peu difficile, non pas t'as surtout dans condition ça, pour ces fautes, faut qu'on la loi tout. Lorsqu'on a une résidence conditionnelle pour qu'on ça veut dire tout, ok, parce qu'il y a des séries de monde qui pas comme ça, lorsque ils ont une résidence conditionnelle dans le mail, ok. Fait tout ça capable pour gérer relation avec mon nom. Ok. Fait tout ça capable. Au moins pour 2 ans pour Kembe. Mais nous réalistes, nous connaissons des cas côté que bakayou pas ka marcher. Son monde tout bon sang kap couler dans ou. Il y a des situations intenables de ces deux bagages qu'on pas ka supporter et que souri tout est ka mourir tout. Donc, dans le cas ça, justement, nous voulons dire, justement, et si vous divorcez, vous doit faire un divorce normal et autre. Maintenant, as long as qu'on a montré que relation pas qu'à continuer pour certaines conditions et autres, donc au style car remove condition, ok? Et donc yo noté pour nous en fait que nous connaissons, ça veut dire dépôt ça nous les conditions de résidence là, si tu as quitté le fini ou pas appliqué pour faire ça passer. Eh bien, résidence automatiquement terminée. Attendez bien samedi. Si vous pas full forme ça, après 2 ans, résidence automatiquement terminée. Eh bien, vous pouvez le recevoir, premier papier, vous pouvez le recevoir, vous laissez une notice. Tout appear at the hearing. Il y a prélo devant le juge pour vous mettre sous déportation. C'est ça. Okay? Donc, vous conseillez 90 jours avant résidence temporaire expirée. En fait, dans le cas où même avec Madame Moon, jointly, ok, en forme, qui gagne espace pour nous tous les deux la dernière, eh bien, nous faisons. Maintenant, il y a un qui qu'on a dit, ok, 90 jours avant, est-ce que ma brette a joint l'autre résidence? On dit, et lorsqu'il fait application ça, 2, 3, 4 semaines, on va procéder à un bagage qui est les I-797. Ça veut dire, ils ont reçu, qui dit qu'ils ont reçu l'application, ok? Maintenant, et il y a un peu de monde qui est étonné, qui dit, bon, peut-être que je vais faire ça, pourquoi j'aime vous le résident. Bon, il prend temps, il prend 3 mois, il peut aller jusqu'à 12 mois même. OK? Et maintenant, ça, pour qu'on ait, nous dit, hop, maximum. Il n'est pas supposé passer 12 mois. Il n'est pas supposé dépasser 12 mois. Mais nous dit, aller hop, 12 mois. Mais maintenant, ça, pour qu'on ait, automatiquement, vous voyez, l'aide ça qui dit qu'il est sur l'application là, eh bien, vous faites ça, vous voyez, auto-extended. Vous étendez résidence pour 1 an. Ou pas de problème. Ma répéter pour nous. Et là, on a dit que, et au bon résidence conditionnelle, 3 mois d'avance au fil. Maintenant, il y a un monde qui a posé cette question. Bon, besoin de travail, besoin de bagages, de choses. Bah, on va l'expirer. Est-ce qu'il m'a servi en cas d'expirer? Est-ce qu'il y a peut-être envoyé le moins? Et non, non, rapide. Maintenant, ça a arrivé que vous n'avez pas envoyé le barreau. OK? Maintenant, ça, vous connaissez, c'est que, automatiquement, l'application, hein, dès que vous n'êtes pas n'importe côté, avec résidence expirée avec des papiers ça, avec notice qui dit sur l'application là, et mes notices ça lit, il y a les auto-extendus pour 1 an. Et quand même voyager avec deux papiers ça. En fait, c'est ça où tu as supposé qu'on est. Depuis que nous pending, forme ça, eh bien, 4 expirés maintenant, il m'a parlé de résidence conditionnelle pour 2 ans, même là, tu as fait une expirée, le style valable. Okay? Donc, c'est ça où besoin qu'on ait, le style au style. Use lui-même la li expiré depuis ou gen papier qui dit ou recevoir application pour remove
conditions sous résidence. Et ça va arriver souvent, mais ça va arriver que yo mandé interview. Pas toujours ça, ok? Non, bien dit, ça pour une raison, pour l'autre, yo ka vin mandé interview entre nous les deux, mais pas toutes les fois, yo obligé mandé interview. Ou là, et fingerprint tout, most of the time, mais il y a des cas où pas mandé le tout, ok? With deep enough, yo ka mandé pour faire fingerprint, leur fin fait application ça, d'accord? En fait, nous t'avons le livre où ça nous dit déjà, il parlait de work permit, il dit, comme un permanent résident, normalement, on résidence, seulement pour 2 ans. Ok, il dit 4 ça, la continuer prouver que ou gain droit pour vivre et travailler aux États-Unis. Ok, si ou gain temps, effectivement, remplir application à temps, avant l'application pour changer condition. Ok, il dit que normalement, il y a étant conditionnel résidence jusqu'à ce que y ait une décision finale qui fait sous application. Et notice que vous allez recevoir la préfète ça tout. C'est ça que vous comprenez. Donc, pas battre au problème et qu'il va recevoir une nouvelle résidence permanente. C'est ça que vous voulez dire. Ok. Nous t'avons parlé en fait. Il y a un monde qui a dit que. Et nous t'avons dit que ça qui arrive qu'on divorce à monde et que ou style rempli forme et que ça passait. Des fois, on dit qui ça au commande comme document. Maintenant, en fait, si vous avez gagné, ça va bon net, on a discuté quand on fait un petit monde. Au cours de 2 ans, on a fait un petit monde à un. Ils ont commencé à dire. Si au cours de 2 ans, on a fait un petit monde à vous, ça c'est preuve que sans monde, que nous avons une relation avec, que nous avons remis tout bon, c'est une la donne. Et que relation, hein, c'est une relation qui m'était fait avec de très bonnes intentions. Preuve que nous vivons ensemble, on a dit, si nous avons gagné, lease mortgage, nom sous lit, et nom sous lit, ça veut dire joint ownership. Ça a des preuves qui montrent que nous, t'es vraiment en relation et autres. Donc, ça, c'est nous dit bien ces documents qui ont montré que, effectivement, on a monté, c'est pour mariage business et que, maintenant, documents, aucun doit, et il y a d'autres documents pour capable, pour capable, bah, encore, il pas limité pour montrer que, effectivement, que c'est en relation, que t'es fait, c'est pas pour t'évader immigration. Et le fait que nous gagnons des comptes en banque ensemble, ok? C'est des documents qui montrent que c'était en relation pour de bon, ok? C'est des séries de bagages comme ça. En fait, on a parlé de Cameroun qui vient divorcer pour cette relation pas marché. Au cas des documents pour montrer que effectivement on t'es voulu vivre avec mon ok? Et il y a autre banque encore qui au cas même bail ça les affidavits sous gain de 3 amis. Et autre qui est capable d'écrire une notice, ça veut dire, avec un autre côté qui a banné ou adresse, côté qui a dit qu'il aurait connu de monde, ça aurait été marié, tout bon vrai, qu'il était marié pour de bon, et autre. Et ça qui arrivait que le monde, ça aurait tout, ça, il y a une, en fait, nous disons possibilité que il y aurait le monde, ça aurait pour interview tout, ok? Donc, on a parlé de cas monde qui sous résidence conditionnelle, qui arrive à divorcer parce que le pas marché. N'a montré qui type de bagage qui a prouvé que c'était une véritable relation. OK? C'est pas ton magouille. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on nous voit. Et donc, pour nous clôturer, ça n'a dit, et si, en fait, l'État mieux que vous arrivez à gérer les relations, en fait, si vous êtes capable de faire, parce que nous connaissons des relations qui sont difficiles. Ou là, il y a un monde qui fait un bon erreur dans ce sens. En fait, nous rencontrons des cas. C'est triste, nous n'avons pas de loi. Ils sous résidence conditionnelle, ok, ils ont retiré le et c'est eux qui font ça. Nous ne savons pas qu'on est automatiquement déportable. Et en fait, il est vraiment important pour qu'on ait le droit de rentrer dans le pays, ok. Donc, nous rencontrons plusieurs cas, mais nous n'en sommes pas vraiment au courant. Que l'idée automatiquement déporté tête li. Et inverse la vraie tout, il y a des gens qui conviennent avec mon entrée à résidence et que pour une raison pour l'autre, et bah il pas marché, il pensait que mon n'est capable prendre. Depuis que tu es marié à mon nom, 2 ans, son résidence permanente, il mon n'a pas fait rien encore. Ok, c'est ça pour comprendre. Si ça pas marché, ou vire quoi, ou pas, vous poser question, mon n'a pas fait rien. Au niveau de l'immigration, ou pas gain remove. Tenez bien, si vous êtes marié à mon ou vous avez 2 ans, faire application pour vous, bon résidence permanente, vous n'avez pas qu'à dire un, il y a encore pour dire que vous n'avez pas très même parce que vous avez bon résidence
permanent nan men, ok? Donc là, moun ki pral depote aussi ou pral depote tête ou, sou entre nan histoire, drogue, mauvais deal, whatever, si tou nan période sa yo, pral pran prison, ou ap fè mauvais acte nan peyi moun yo, ou ka fè des actes pou depote tête ou. Mais c'est pas moun sa tan tro la, automatiquement que ou genyen yon résidence permanente nan men, ok? Donc, nous pensons que c'est tout ça que nous t'avons voté pour aujourd'hui. Nous t'avons parlé de long et en large de résidence conditionnelle à son forme liée. Et ça a arrivé que, au passé, en fait, nous t'avons conseillé, si pas qu'à remplir pour tête ou, qu'on joue un préparateur qui pourrait aider, parce qu'on a besoin de submettre niveau et d'accord avec mariage là, si le français ou traduit, lié et autres, on a besoin de résidence là, on fait copie, recto, verso, ce genre de choses. Il y a un grand ensemble d'informations que vous pouvez demander sous et sous mon nom, dans la forme là, que vous pouvez mettre là. Et puis, cobla, en fait, pour me montrer nous combien cobla y est, regardez, combien cobla forme là. Forme là, c'est 680 dollars. Okay? C'est 680 dollars, son monnaie au dehors fait, pay to the order off. En fait, c'est pas rien, parce que, tandis que, forme ça permet tout, ouf, ou libre de tête. Libre de tête en ce sens que pas gagner un monde qui est capable. Et comme Zendado, vous allez dire les remove dans le pays à dépendre de l'action. Si un monde bagaille ou pas marché, mais vous retirez le corps, pas gagner aucune tête chargée. Ok? Donc, et restez branché, inscrit sous Palmisakma pour la CAI. Nous avons une section ça qui est les petits causes sur migration. Nous portons plusieurs rubriques. Pour côté que nous parlons de long là, je suis capable de poser des questions et nous avons fait effort pour nous répondre. Et nous te promettons une vidéo si, qui, sais, par exemple, nous connaissons un peu de monde qui t'a intéressé par lui-même et qui, genre, une compagnie qui est capable d'aider à rejoindre une résidence. OK? Qui s'allie, en fait, nous avons fait. Nous avons parlé de ça longtemps, nous promettons mon yo, et nous pouvons venir avec prochainement, nous avons venir avec vidéo ça, qui a parlé de l'application que une compagnie qui a fait pour vous, font pétition pour vous. Dans quelles conditions que une compagnie qui a fait ça pour ta jeune résidence. Donc, portez-nous bien, restez inscrits sur Palmisakma pour la CAI. Et je vous conseille de cliquer sur cloche là, parce que cloche là, bon, notification pour nouvelles vidéos et que nous postez. Portez-nous bien.